Au nord de la Méditerranée, le rivage oriental de la mer Adriatique appartient pour une bonne part à la Croatie. Le pays, 10 fois plus petit que la France, est profondément taillé dans le territoire de l'ex-Yougoslavie. Les frontières politiques tourmentées se prolongent jusqu'au littoral découpé à l'extrême. Si l'on inclut les îles, aussi fines que les perles du Pacifique, la Croatie déroule près de 6000 km de côte. L'homme a trouvé sa place entre la montagne, qui culmine à 1800 mètres, et les plaines fertiles de l'intérieur. Sur 40% du territoire, le calcaire forme une couche poreuse dans laquelle l'eau a creusé un relief particulier, le karst. Les particularités de l'environnement ont justifié la création des 8 parcs nationaux répartis à travers le pays. 1000 ans avant Jésus-Christ, la région était peuplée par les Illyriens, qui ne purent résister à l'arrivée des Grecs et surtout des Romains. Pour lutter contre les pirates illyriens, les Romains fondèrent la province de Dalmatie et la République de Venise imposa la présence italienne jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. La France prit le relais, mais la défaite de Napoléon précipita la Croatie au cœur de l'Empire austro-hongrois. Le maréchal Tito renonça au communisme pour une fédération que la Croatie fit voler en éclats en organisant les élections libres de 1990. La guerre s'embrasa avec les voisins serbes lorsqu'en 1991 fut proclamée l'indépendance de la République croate. La paix revenue en 1995, les Croates s'attellent à tourner la page et à se construire un avenir. La Croatie, pour renaître, dispose d'un patrimoine en bonne part épargné par les hostilités. Les époques et les cultures successives dressent un inventaire complet de l'Antiquité romaine à la période romane, en passant par la Renaissance et le Baroque. Depuis le 9e siècle, la religion catholique est une composante majeure de l'identité nationale. Les Croates se déclarent à 90% catholiques. Ils se sentent aussi très proches de leur tradition. La plus grande partie de la production agricole est destinée à la consommation locale, mais beaucoup d'aliments doivent être importés. Ce n'est le cas ni du raisin, ni des céréales. La configuration du littoral n'a pas permis le développement de la pêche, qui a conservé son caractère artisanal. Jadis 3e constructeur de navires au monde, la Croatie possède d'indéniables ressources industrielles. D'ailleurs, l'industrie assure 20% du produit intérieur brut, une proportion tout à fait dans les normes européennes. La mise en valeur du sous-sol remonte à l'Antiquité, et avec créativité, l'artisanat vole de ses propres ailes. À une époque, le tourisme fournissait le tiers du revenu croate. C'est dire le potentiel d'un secteur qui est à nouveau en plein développement. Le pays bénéficie, il est vrai, d'atouts décisifs dans le domaine des loisirs. Les échanges en Croatie reposent sur un réseau de communication dont la géographie n'a pas entravé le développement. Les transports terrestres sont renforcés par les voies aériennes qui relient une demi-douzaine d'aéroports entre eux. La Croatie prend aujourd'hui son envol. Sans tourner le dos à son passé, elle s'ouvre au monde et franchit les obstacles avec l'ambition d'un pays nouveau.
Les immeubles collectifs de la banlieue rappellent la période communiste de la capitale croate, Zagreb. Et derrière l'architecture plus moderne de la nouvelle ville se cache une réelle personnalité. Dans la ville basse, la place Jelačić est un point de ralliement. La Croatie compte près de 5 millions d'habitants, dont un quart vivent dans la capitale. Avec un peu de talent, on sort de l'anonymat. Les Croates ne se limitent pas à ceux qui résident dans le pays. Sous d'autres cieux et d'autres fuseaux horaires, il faut ajouter 50% de réfugiés à la population nationale. Les faire revenir est un défi de plus. Peut-être avec des images de la patrie. Les maisons néoclassiques et baroques de la place sont dominées par les flèches de la cathédrale, un édifice souvent remanié à travers l'histoire. Au XVe siècle, face au péril turc, le bâtiment était aux avant-postes de l'Occident chrétien. La décontraction de la ville actuelle ne doit pas faire oublier la rivalité qui opposait les anciens quartiers. Ainsi, la ville basse, populaire et bon enfant, était vouée au commerce et aux distractions. Elle ne ressemblait en rien au Gradec, la ville haute à laquelle on accède par un funiculaire. Au sommet de sa colline, le Gradec ouvre une large perspective sur l'ensemble de la capitale. La ville haute enraya une incursion mongole au XIIIe siècle et mit à l'abri un quartier où le temps s'est figé. Les institutions administratives de l'État siègent dans le Gradec, non loin de l'église Saint-Marc. Les tuiles vernissées reproduisent le blason de Zagreb et celui du royaume triunitaire, qui a brièvement réuni la Croatie, la Dalmatie et la Slavonie au XIXe siècle. Entre la Slovénie et la Hongrie, la partie nord du pays se blottit à l'écart de l'agitation, bien à l'écart de la grande agglomération de Zagreb. Le regard suit la crête de colline dont l'altitude se limite à 500 mètres. Le sol sablonneux ne favorise pas les cultures autour de villages marqués par l'influence baroque d'inspiration autrichienne. Les couleurs pastel tranchent sur la forêt qui couvre la moitié d'une région appelée Zagorje. À Trakošečan, le château romantique appartint pendant 4 siècles jusqu'à la Deuxième Guerre à la lignée aristocratique des Drašković. Le poêle monumental et le reste du mobilier sont toujours propriété de la famille. Des édifices moins résidentiels émaillent la campagne comme le château Renaissance de Veliki Tabor. La forteresse a renforcé son dispositif pour se défendre contre les Turcs au XVIe siècle. À l'est, la Croatie se glisse entre la Hongrie et la Bosnie-Herzégovine. Avant d'atteindre la Serbie-Monténégro, elle traverse une région fertile, la Slavonie. La Slavonie produit la majeure partie des récoltes céréalières du pays sur un sol parfaitement plane. D'ailleurs, les habitants plaisantent en disant que l'altitude maximum ici ne dépasse pas celle d'un chou. Les coutumes vestimentaires rappellent que la Slavonie fut occupée par les Turcs pendant 2 siècles. Le centre de la Croatie est traversé par une moyenne montagne qui s'étire jusqu'à la pointe sud du pays, parallèlement à la côte. Les Alpes dinariques sont formées de karstes, un relief calcaire qui émerge d'une épaisse forêt. Delnice, une petite localité du centre-ouest à 700 mètres d'altitude, vit en parfaite symbiose avec la forêt.
Le bois omniprésent donne à la bourgade ses couleurs dominantes. Les nuances sont plus vives à la belle saison quand le soleil fait fleurir les dahlias. Le quart du territoire croate est couvert de forêts. Le bois protège les pignons des maisons exposés à la pluie. Le bois alimente aussi un artisanat bien inspiré quand il reproduit l'habitat et le mode de vie à une échelle réduite en bordure de la forêt. Plus on se fait discret, et plus on augmente les chances d'apercevoir les cervidés furtifs comme le daim. L'eau est indissociable de la région. Elle court en rivière poissonneuse et occupe les dépressions dans le parc national de Rizniak. Au milieu de paysages majestueux, la roche calcaire subit l'érosion de la Bora, un vent froid glissant des sommets en hiver. Plus au sud, l'eau se marie au végétal autour des lacs de Plitvice. 16 lacs reliés entre eux par une série de cascades. L'érosion du calcaire en profondeur donne au site des proportions grandioses. De Vienne ou de Budapest, les aristocrates affluèrent en villégiature dans la station balnéaire d'Opatija parce que les médecins vantaient les vertus de son climat. Au XIXe siècle, les notables construisirent ici de splendides demeures où les références vénitiennes fleurissent partout. Pour sa femme, Angiolina, un riche homme d'affaires de Rijeka fit aménager une somptueuse villa. Les chapiteaux corinthiens y alternent avec les fresques en trompe-l'œil. Puccini et Mahler fréquentèrent des lieux que la grâce anime encore. En longeant la côte orientale de l'Istrie, on double la petite localité fortifiée de Labine. On atteint ensuite la ville de Pula, au sud de la péninsule istrienne. Les Romains y laissèrent quelques exemples de leur savoir-faire architectural. Plusieurs monuments prouvent le rayonnement culturel de la cité, comme l'élégant temple d'Auguste, et surtout l'impressionnant amphithéâtre, l'un des mieux conservés de tout le monde romain. Le bâtiment est édifié en blocs de pierre calcaire de la région. Une grande partie des gradins ont été par la suite utilisés comme matériaux de construction. Sur la côte occidentale de l'Istrie, Rovigne fut une île jusqu'au XVIIIe siècle. C'est pour répondre à l'accroissement de la population que la cité prospère fut reliée au continent. La menace des pirates conduisit la ville à se mettre très tôt sous la protection de Venise. Elle devint ainsi l'un des fournisseurs attitrés de la Sérénissime. La cathédrale baroque est dédiée à une jeune femme qui fut martyrisée par un empereur romain d'origine croate. Dioclétien jeta Sainte Euphémie au lion. Les pêcheurs de Rovigne, dit-on, déchirent fréquemment leurs filets sur les murs d'une cité engloutie par un tremblement de terre. Si bien qu'outre les poissons, leurs filets ramènent régulièrement quelques légendes. La localité de Poretsch fut conquise par les Romains qui lui donnèrent son plan géométrique. Dès le XIIIe siècle, la ville se soumit à l'autorité de Venise. Les réminiscences vénitiennes sont partout perceptibles. Non loin du Decumanus, l'axe principal de la cité romaine, se dresse la basilique euphrasienne
décorée de remarquables mosaïques byzantines. L'influence italienne se vérifie jusque dans la fabrication de la crème glacée. Le style du service, en revanche, est local. En direction du sud, le littoral croate s'émiette à travers une constellation d'îles aux tailles variables. La plus grande, l'île de Kirk, est rattachée au continent par un pont. La position clé de l'île valut aux comtes qui en étaient les maîtres de devenir la plus puissante famille croate à la fin du Moyen Âge. Avec son clocher à bulbe, la cathédrale romane de Kirk fut érigée à l'emplacement d'anciens thermes romains. Sur la place, une peu banale horloge du XVIe siècle indique les 24 heures. Au creux de la baie de Kirk, la rade de Punat abrite l'île de Cochliun, où un monastère franciscain s'est installé. Derrière les murs du cloître, les moines lisent toujours une écriture inventée au IXe siècle, le glagolitique. Elle était destinée à traduire les évangiles du grec en vieux slave parlé par le clergé. À l'extrémité méridionale de l'île, les petites criques hospitalières semblent écrasées par d'arides collines karstiques. Ce qui n'empêche pas le succès de Bashka, une station balnéaire très fréquentée l'été. La côte sud jouit d'une situation privilégiée, à l'abri des vents dominants. La Bora, le vent froid, souffle du continent pendant l'hiver. Elle incite les insulaires à faire des provisions de bois de chauffage. L'écrivain irlandais George Bernard Shaw fut frappé par la beauté d'un archipel. 150 îles presque désertées par l'homme. Il écrivit : Dieu voulut couronner son œuvre au dernier jour de la création. Et d'un mélange de larmes, d'étoiles et de souffle, il créa les Cornati. L'archipel des Cornati s'est formé à la fin de la période glaciaire, il y a 20 000 ans. Le niveau de la mer monta en submergeant les vallées littorales. Seuls les sommets des montagnes continuèrent à émerger. Vers le sud, un autre groupe d'îles révèle la progression des reliefs sous-marins, toujours parallèles au littoral. La montée des eaux a souligné les sommets. La structure de la côte est tellement caractéristique que les géologues ont donné aux autres phénomènes similaires l'appellation « côte dalmate ». Un incroyable puzzle dont seul l'avion permet d'agencer les pièces. À quelques encablures au sud de Brač, l'île de Hvar revendique le plus fort ensoleillement national. Le lieu avait déjà séduit les Grecs qu'on localise sur l'île dès le IVe siècle avant Jésus-Christ.
L'heure de Venise sonna également sur l'île. C'est d'ailleurs à l'époque vénitienne que la population locale se familiarisa avec la sculpture, car la pierre locale pouvait rivaliser avec celle de Brač. La cathédrale est dédiée à Saint Étienne, considéré comme le premier martyr chrétien. L'édifice réussit une belle synthèse entre la Renaissance et le baroque. L'inclinaison des sols et leur exposition conviennent parfaitement au vignoble dans une île surnommée la Madère croate. À l'extrémité sud du pays, cerné par la mer Adriatique d'une part et les montagnes d'autre part, la vieille ville de Dubrovnik est un joyau serti dans son rempart médiéval. Les murailles furent élevées dès le 7e siècle car l'ancienne Raguse suscitait les convoitises. Les Arabes s'y cassèrent les dents, mais les Normands s'en emparèrent et les Vénitiens finirent par investir une cité déjà prospère. Pendant 10 siècles, le rempart fut réparé et consolidé, alors qu'à l'intérieur, la ville se trouvait quelque peu à l'étroit. Tous les moyens défensifs du Moyen-Âge, de l'échauguette au créneau, en passant par les mâchicoulis, restèrent impuissants face à l'agression subie en 1991. Les dommages considérables ont été réparés avec l'aide de la communauté internationale. La porte pilée commande l'accès de la vieille ville. Le patron de Dubrovnik, Saint Blaise, bénit ceux qui passent sous l'arche Renaissance du XVIe siècle. Du haut de la falaise, les bombardements de 1991 percèrent 2 toitures sur 3. La plaza est la rue principale de la vieille ville, un ancien canal comblé. L'artère habillée en pierre de Brač est polie par les siècles et les 100 pas des pigeons. L'unité architecturale de la plaza repose sur le style baroque et le choix des matériaux imposés après le séisme qui ravagea la cité au XVIIe siècle. Aujourd'hui, dans les rues musées, on prend le temps de savourer la beauté des lieux. Mais le temps, c'est de l'argent, à Dubrovnik aussi. À côté de la tour de l'horloge, le bâtiment de l'ancien corps de garde veille sur le palais Sponza, l'édifice où l'on battait la monnaie. Près de la tour de l'horloge, la cathédrale baroque de l'Assomption a remplacé 2 églises plus anciennes, l'une byzantine, l'autre romane. Au-dessus de l'entrée, la statue de Saint Blaise porte la maquette de la ville. Le saint homme fait l'objet d'une grande dévotion, car c'est lui qui annonça au curé une proche attaque vénitienne. Le trésor de la cathédrale conserve les restes de Saint Blaise dans de précieux reliquaires. Le décor d'angelots et de dorures baroques ajoute à la majesté du cadre. Aujourd'hui, Dubrovnik semble intact. Et pourtant, combien d'assauts ces remparts ont-ils repoussé ? Aux avant-postes de la chrétienté, la Croatie est née très exposée entre l'Orient et l'Occident. Mais après les batailles, les flots apaisés de la mer Adriatique l'ont à chaque fois bercée d'une douceur retrouvée.
Maintenant que le ciel de Croatie s'est à nouveau dégagé, de son lointain passé monte l'espérance d'un pays nouveau.